Allez, on sent que pour les deux équipes, on va dire que le premier objectif, straight underway. Look at the previous results in this group. Belgium were victorious against Switzerland with a 5-1 victory, but then 2-1 were the Czech Republic against Italy. Belgium then also beat Italy based on 3-2. Quand on a été à ce niveau, on est pour toujours le premier et entraîneur de la Belgique, c'est la légende du football. C'est lui qui avait été meilleur gardien de la Coupe du Monde en 1986. Souvenez-vous, c'était dans l'Argentine avec un certain Diego Maradona. Et c'était la Belgique lors, les Diables Rouges lors de cette Coupe du Monde. C'est au Mexique, hein, c'était pas l'Argentine, excusez-moi, 86. Et bien ils accédèrent au quart de finale en battant les mythiques soviétiques. Ils accédèrent ensuite à la demi-finale en battant l'Espagne au tir au but. Ils seront battus par justement l'Argentine et Diego Maradona. Et c'est vrai que la France avait battu la Belgique 4-2 pour la troisième place avec un certain Jean-Pierre Papin, Bernard Gengini, Manuel Amoros. C'est une belle et grande histoire, l'histoire du foot français. Et également concernant Jean-Marie Coffre, et avait terminé sa goalkeeper for Belgium, Jean-Marie Pfaff, who has been with us the last few days. Haven't seen him this morning, but I'm sure he is about. And I wondered why he spoke such good German, and there's the answer there. He is the player. So far, let's test the vocal skills of the Czech Republic! You lose in here! Ah, donc ça doit pas être bon, hein. Personne répond. On se rappelle, justement, vous avez accueilli il y a deux jours maintenant. Le personnage, attention, celui qui a marqué l'histoire du foot, Aimé Jacquet, rappelez-vous en 1998, l'équipe de France. On va dire, assez serein, qui avait déchiré au serein. On va dire, il n'y avait pas eu d'excès, ça ne brillait pas. Ça avait déchiré justement de la part de la France.
presse spécialisée dans le magazine, le journal L'Équipe, sérieuse, on va dire, reproche sur le choix des légendaires. Il y avait eu des gens qui avaient, utilisé des termes, on va dire, très agressifs, qui avaient blessé le sélectionneur à l'équipe de France. Et puis petit à petit, eh bien, l'équipe de France s'est affirmée, a pris du corps, a pris de la forme. Et pour aller jusqu'à cette finale, ils avaient remporté face au Brésil. Et du même coup, il y a eu des sanctions qui étaient tombées près du magazine L'Équipe. Déjà par la presse française, c'était un petit peu le retour du boomerang, le retour de l'élastique, en pensant qu'ils avaient juste, eh bien, seul et déjà qui était sûr de cette équipe. C'est peut-être ici même le même profil que nous allons vivre avec les équipes présentes, et pourquoi pas, nous avons vu l'Italie tout à l'heure, serait capable d'avoir un petit peu, et pourquoi pas la France aussi, qui va jouer. Puisque nous l'avons dit avec le classement de ce groupe A, nous n'en sommes pas encore là. Rendons au match que nous avons pour l'instant devant nous, match intéressant entre la République tchèque et la Belgique. That's right, and things are still pretty even on the pitch. We were honored with the presence of support to the French team over there. They've got a very later on. Here come Belgium on the attack. They've had a couple of very close calls already. Let's see if one can result in an addition to the scoreboard. Throw in number 8 taking it, Sammy Mackers. Attaque incisive portante de l'équipe belge, beaucoup de vélocité, mise en place d'un jeu qui passe d'un à l'autre rapidement. Transport de balle aérien, transport de balle au pied par le porteur du ballon pour aller justement à l'encontre de l'équipe adverse du rempart de la République tchèque pour l'instant pour la Belgique. C'est un match équilibré, on sait que l'enjeu est quand même équilibré, mais on sait que pour le coach et pour les joueurs, ça peut être moralement intéressant d'un côté comme de l'autre pour la suite de la compétition en cadre de cette campagne ici à Morzine de cette édition 2016, la troisième édition au total de l'histoire de l'Euro des Rois. Jean-Marie Favre is talking about the keeper they have is at a level where he can play in the National League. So he's a very great advantage to the Belgium team here today. And the Republic of Czech supporters, are you loud and hearing us over here, the Republic Czech? Republic Czech, we're going to give you another try now. Republic Czech supporters! I think it's done still. Another free kick. Oh! 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 Oh
public check, you don't it stay. Ah mais non, ça marche pas. On n'arrive même pas avec les traducteurs à permettre à l'équipe tchèque de s'appeler. Ah voilà, se réveille. Les drapeaux sont ici. Belgique. Allez, on remercie l'esprit sportif justement, deux équipes qui s'observent, qui se jaugent, qui essayent de trouver la faille pour aller inscrire le premier but. Et qui est-ce qui va jouer justement ce premier but? Hein, pour l'instant, c'est la partie médiane des deux du terrain, qui est très utilisée. Hein. Voilà, le coach de l'équipe tchèque donne ses informations. Un peu de... Oula, là, il se passe quelque chose. The referee not impressed with that cry or a free kick for them. Now, the Port de Soleil is known for its mountain biking, and we see in the distance there we have some mountain bikers underneath the chairlift. Give us a wave. Extra Marcus! Well, they went on the bikes. We needed you. Belgique! You're in the stands as well. Proposé, eh bien, qu'ils ont préféré venir avec pour supporter l'équipe anglaise, malheureusement, et c'est un peu tard. Hein. Allez, on continue, on y va. Allez, la Belgique, allez, la République tchèque. Deux équipes qui sont pointe dans cette tour. Atmosphere for the Belgium supporters there. They're going to need them. Belgium, are you there, Allez, Patrick! Allez, Patrick! Allez, Patrick!
Fliegen. Wir sind am Drücken, am Fliegen. Die Belgique avec les étoiles de ce premier village de montagne qui représente le haut des montagnes, justement. Des troupes militaires de l'Ukraine. Et près du village, on trouve le lac de c'était le représentant des moniteurs de Belgique. Il était invité justement par le syndicat des moniteurs. Et on a eu une discussion incroyable. Puisque c'était un centre international de ski sur herbe sur la pente de Carrie. Et puis il m'a montré des photos lorsqu'il était jeune. Et nous étions à la télé, ils m'ont fait des photos des GR avec les Cervetas, ce fameux téléski que vous avez à Boule de Gomme, qui était le cadre de toutes les compétitions de Coupe d'Europe. Et il était. Je connaissais très bien la station. Et vous voyez que. Allez, Michael, lascia il telefono acceso, io vado. Lascialo acceso però, Une personne qui enseigne de manière fédérale, on va dire, professionnelle. Conseil que c'est le challenge. À chaque fois, il parle anglais, justement. Allez, il y a de l'action. Et pour l'instant, l'action est à mettre tchèque qui est présente devant le but belge. Mais pour l'instant, c'est une performance, justement, du rempart belge de l'équipe de défense. Se passe c'est équitable, justement, sur les forces en présence, le bras de fer continue, par trop de puissance, et la technique, et le match avance, et l'idée d'aller marquer, trotte dans la tête de chaque équipe et de chaque joueur, c'est important, ça fait partie également de l'entraînement physique pour le reste de cet Euro, puisque dès cet après-midi, les choses sérieusement. For this pitch, all our volunteers have been working really hard. You can see tons, if you can say tons of sawdust, it's quite long. Anyway, lots of sawdust been used in between each match and half time to keep it in the top. Thank you.
Les éléments sur l'entraîneur et sur le soleil. Dans les consignes. Allez, là pour l'instant, il y a un petit cafouillage devant le but. L'équipe de la Belgique, voilà maintenant, c'est la République tchèque qui, par son gardien, récupère la balle pour relancer à la main. Et on attaque. Ah, bien souvent, dans les matchs que nous assistons devant notre télévision lors des épreuves de l'Euro ou de la Coupe du Monde, il y a quand même...